des modalités de gouvernance pour les ressources de l'Empire et je fais le Allô? Allô, allô? Alors, aujourd'hui, dernière nouvelle, il y a quelque chose de très important qui s'est passé aujourd'hui, Cédric. Oui, en direct de l'École des communs, le temps est magnifique, la descente a marqué un record. En fait, nous avons sédimenté l'École des communs ici et maintenant à Montréal. Nous avons prototypé quelque chose d'exceptionnel, ma chère Andrea. Et je te laisse tout de suite nous en parler plus en détail. En effet, non seulement dans l'École des communs, mais à Montréal, aujourd'hui, un mouvement des communs. What's your name? Nothing. Your name's nothing? This is Xavier and Olivia. My name's nothing. Your name is nothing too? Oh no, it's totally nothing. We've been doing a lot of thinking about the commons. Okay, we, me and Mommy and Daddy, have been doing a lot of thinking about the commons. What's the commons? That's a good question. You want to ask it again? What is the commons? What is the commons? Do you have an answer? What? Do you have an answer to what is the commons? No, you don't have an answer. So let's make this short and sweet. This is a balloon filled with air. So the air in this balloon becomes something tangible. If there was no balloon, we would have no notion of the air that is inside of this balloon. Commoning is the practice of creating balloons so that we can become aware of what is essential to our life that else we would not know. C'est comme enfin mettre des lunettes de plongée. Donc pendant trois jours, souvent j'ai essayé de mettre des lunettes pour comprendre une situation, mais là, je dirais que c'est comme mettre des lunettes de plongée. Ça me permet, plutôt que juste de nager dans l'océan, de voir les coraux et les poissons. C'est que ça reste sur la surface d'un mouvement d'une classe moyenne qui commence à perdre ces choses, qui commence à voir la destruction de leur communauté, puis le vol de leurs biens socio-écologiques. Ça, c'est une quotidienne pour peut-être même la plupart des gens sur la planète. Donc, il y a une question de pouvoir et de privilège qu'on ne peut pas rater dans l'émergence de mouvement des communs. Et justement, quelqu'un qui vient d'arriver, une nouvelle amie. J'ai découvert quelque chose. Il s'avère que les communs, ce qui nous réunit, c'est entre autres la bouffe. Waouh! Quel genre de bouffe est-ce que tu manges en ce moment? Tout ce qui est le plus sain. L'équilibre, vous savez? Comme dans les paradoxes entre la rencontre entre le chaos et l'ordre. C'est alors que t'es bête. Allô? On a adoré notre expérience. On a adoré notre expérience? Oui, mais oui. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la nourriture et les communs? Mais enfin, moi, je pourrais aller très loin dans le débat, mais je me retiendrai. Sur ce, on te souhaite une... Mais il faut vraiment que je prenne complètement responsabilité de ce que je vais faire et de ce que je vais dire là, mais je sais pas ce que c'est. Puis c'est comme un accouchement. On disait, les communs, c'est comme un accouchement, il faut que tu sois dedans, puis il faut que tu le vives, puis je sens qu'en ce moment, c'est ça. Il y a des possibles communs. Est-ce que tu as changé de posture? Alors, je sais pas si j'ai changé de posture. J'aimerais ça changer de posture. Je suis pas encore en couleur. Est-ce que tu as des pistes pour changer de posture? Oui. Ouais, ok. Oui. Ouais. Oui. Oui. So, what's the commons for me? It's a space for play. It's a space for joy. And it's a place where we can just be together.
without thinking about the hierarchy of the world, without thinking about money in the world, but just going, we're going to protect this space, and this is a space for us. And all those who want to come and play, and all those who want to come and be together and respect that, are welcome. And that place will be open for all those who want to come and be in their joy and be together. We want to play with that. And we'll protect that. That's the commons for me. Thank you. Assistons-nous à la naissance d'un mouvement des communs à Montréal? Mais certainement, il y a non seulement nous insistons pour ce mouvement, mais nous y assistons et nous y contribuons. Et nous le vivons. Et nous le vivons, parce que participer à un commun, c'est bien le vivre. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Merci. Merci. Ha ha ha.